ESS France et Aesio Mutuel présentent. Et si l'ESS mettait le vélo au cœur des mobilités de demain? Le secteur du transport est le premier responsable du réchauffement climatique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour changer la donne, il est donc nécessaire de le transformer en profondeur. Une solution? Faire du vélo le maillon central de nos mobilités. Mais à quelles conditions? Aujourd'hui, la part du vélo dans les mobilités françaises est d'environ 4%. C'est peu, mais le potentiel de son développement est important et sa pratique en forte hausse. Pour accélérer et pérenniser cette tendance, de nouvelles pistes cyclables ne suffiront pas à elles seules. Il convient d'aller plus loin et d'instaurer une véritable culture du vélo, fortement ancrée dans la société. C'est là qu'interviennent les structures de l'économie sociale et solidaire, ESS. Les associations, coopératives, mutuelles, fondations ou sociétés commerciales de l'ESS sont en effet les premières actrices de cette culture du vélo en France. Ces structures permettent ainsi à chacun et chacune d'apprendre à réparer son vélo et de mieux connaître son outil de déplacement. Elles développent l'apprentissage du vélo auprès des enfants comme des adultes. Elles proposent aux usagers une diversité de services essentiels et surtout accessibles au plus grand nombre, comme la vente de vélos d'occasion à prix solidaire ou le marquage des vélos pour lutter contre leur vol. L'ESS, c'est aussi bien souvent le porte-voix des usagers auprès des acteurs publics. Bref, la culture du vélo est déjà là et ne demande qu'à se déployer. Pour cela, elle a besoin de s'appuyer sur une filière économique qui met, elle aussi, le vélo en son cœur et donne aux activités de service une nouvelle impulsion. Les structures de l'ESS produisent donc localement des vélos et des équipements adaptés aux usages des professionnels. Elles créent des activités de service à vélo où la logistique prend une part de plus en plus importante. Et elles s'impliquent aussi dans le développement du tourisme à vélo et facilitent autant le voyage des cyclistes que la reconnaissance de leur établissement d'accueil. De plus, l'ESS joue un rôle majeur dans cette filière en apportant aux entreprises les moyens de produire ensemble et en lien avec les acteurs de leur territoire. Elle accompagne le développement de nouveaux métiers et de nouvelles compétences par ses activités de formation professionnelle et d'insertion. Elle favorise ainsi la création d'emplois non délocalisables et porteurs de sens sur toute la filière. Plus encore, l'ESS, par ses activités de réemploi et de réparation de vélos, est le rouage essentiel d'une filière ambitieuse sur le plan écologique et social. C'est donc à la condition que l'ESS dispose d'une place centrale dans l'économie du vélo que ce dernier pourra enfin devenir un levier fondamental de la transformation de nos mobilités. Pour en savoir plus, découvrez la note d'opportunité vélo sur le site internet ou dans les liens en description de la vidéo.